Papa. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à l'école? La maîtresse, elle était malade. Max. Non, c'est pas vrai. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que t'as fait encore? Viens, suis-moi. Voilà. Bonjour. Bonjour, oui. Bah voilà, c'est Rose. Elle vient s'occuper de toi jusqu'à Noël. Max, je t'ai dit... Qu'est-ce que t'as encore inventé là? Ah si, si, t'assures. C'est son travail, s'occuper des bons hommes. Qu'est-ce que vous lui avez raconté là? Oh, hey, j'y suis pour rien. Je suis déjà bien gentille de la ramener, bien conne, oui. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Oh, ça va. Coup de crevette, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est... Bah, t'as vu, toi aussi, tu sais pas pourquoi c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible parce qu'on ne ferait pas une... Je vous emmerde. Une dame. On ferait pas une dame. Ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? T'es bien un bonhomme, toi. Max, je t'ai déjà expliqué. C'est pas possible parce que pour s'occuper des bons hommes, eh ben, ça va coûter trop cher à ton papa, il a pas les moyens. Mais qu'est-ce que vous prenez de lui raconter ça? J'essaie de vous aider, là. Mais vous m'appelez penser pourquoi? Attends, je passe pourquoi, moi? Bah quoi, ça soit comme le nœud au milieu de la figure, vous êtes fauché, non? Mais il y a qu'à voir votre gourbi. Vous emmerde. Je croyais qu'il fallait pas dire de gros mots. Écoutez, ce gourbi, c'est un choix de déco, d'accord? Sinon, je suis pété de cul, moi. Je peux vous dire quelque chose? Vous avez vraiment des goûts de chiottes. Vous engueulez déjà comme les parents de Margot. Ouais, et Max, ça suffit maintenant. C'est mon cadeau. J'ai donné ma serviette à Rose pour qu'elle vienne t'occuper de toi jusqu'à Noël. Il te plaît pas, mon cadeau, papa? S'il te plaît, papa, elle va pas partir, Rose. S'il te plaît, papa. Bon. Non, elle va pas partir, Rose. Vous pourriez me demander mon avis. Mais c'est quoi votre avis? Bah, mon avis, c'est... ce qu'il faut voir. Bah... allons voir. Je vous laisse voir, alors.